Bonsoir les petits amis, bonsoir chers amis, comme dirait Riti. Bon, hop, se tromper de musique. Bon, bonsoir à tous les petits amis. Alors, comme d'habitude, et ça ne change pas, dites-moi le son, je pense que le son est bon. Petite musique de la patience. La la la, nanana, nanana. Na 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 na, un 664, ah non. Un ministre à tampon, pas mal. Compteur GX est encore froid. Oui, le compteur GX est un peu fébrile ce soir, on va dire. Bonsoir Paco, salut à tous. Bonsoir, tout le monde est là. Tout le monde est là, ouais, petite forme le stream. Bah oui, parce que Descartes va me dire, t'as pas fait de pub, tu fais chier. T'aurais dû prévenir avant, les gens ils font forcément autre chose. Bah oui, peut-être que les gens n'ont plus l'habitude que je stream peut-être le mardi. Bah ouais, du coup, voilà, c'est malheureusement, il faut streamer plus souvent. Et oui, c'est évidemment la régularité qui fait que... Bah écoutez, bonsoir à tous, je vois que tout le monde est content. Je vais saluer évidemment tout le monde, bonsoir les anonymes, Deki est là, Golem13 aussi, Inak, MacDes26, MacGyver, Moumoun, Moudubouroud qui va pas tarder évidemment, Paco c'est moi-même, Riti Xtrabet est là, évidemment Shoryu80, je vois que ça drop des frames. Bah écoutez, bonsoir à tous, bonsoir les fidèles parmi les fidèles. Et oui, c'est timide, donc nous sommes 13, c'est timide, hein. On a l'habitude d'avoir évidemment pas 50 personnes comme quelqu'un qui voulait streamer de l'Amiga et qui ne voulait pas streamer en dessous de 50 personnes, non, voilà, tu fais chier, t'aurais dû prévenir avant. Mais non, écoutez, c'est tranquille, c'est des jeux d'aventure, et des jeux d'aventure, c'est tranquille, on ne se met pas la pression, voilà. Vous le savez, avec mon débit d'Obi, comment fait-il ? Ah, je ne sais pas. 14, ben voilà, ça monte, c'est bien. Venez, bienvenue dans le stream du Daron. C'est du stream sur de l'Amstrad CPC, sur des jeux d'aventure. On se fait bien chier, évidemment. Des bisous à Mister MV, des bisous à Mister Karate, évidemment. Voilà, ben écoutez, que vous dire de plus ? On va s'attaquer à un nouveau jeu. Pour revenir au dernier jeu d'aventure qu'on avait fait, Adventure 2. Je crois que c'était ça, hein. Ouais, j'avais dit que j'essaierais de le finir. Eh bien, je suis bloqué. Pourtant, j'ai édité le listing, hein. C'est un jeu en basique, tout ce qu'il y a de plus con. Eh ben, je suis bloqué. Donc, je pense que je vais le finir incessamment sous peu pour vous montrer la solution. Donc là, on va s'attaquer à un autre jeu d'aventure qui m'a été discrètement soufflé par l'ami BDC Amaury Iron, qui n'est pas là, qui m'avait dit... il m'avait proposé deux jeux. Et dans ces deux jeux, j'en ai pris un. J'ai pris Omeyad. Omeyad, c'est un jeu qui se passe un peu dans l'Arabie médiévale. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. À peu près dans les années 900, vous allez voir. Une espèce d'intrigue sur fond d'Aladin et tous les bons vieux clichés qui fonctionnent bien. Alors, tu es au courant pour le streamer qui voilà, qui fait rien à moins de 50. Voilà, je suis au courant pour un mec qui ne stream jamais, qui dit non, moi, quand je stream, je veux au moins 50 personnes, ce qui est quasiment impossible. Il faut savoir qu'il y a des mecs qui streament même sur des gros trucs, hein, qu'on prend, si tu veux, au gaming, Eclipsia, je sais pas si ça existe encore, mais JVTV, il y a des mecs qui streament encore à moins de 50 personnes, hein. Faut pas arriver là-dedans et dire je veux 50 personnes tout de suite d'un coup. 15 personnes, bienvenue. Bah écoutez, ça monte. Alors, qui dit Paco, prend l'accent pour ton stream. Mais je vais pas prendre l'accent. Ah, l'accent, tu veux dire l'accent arabe, histoire de faire des bons vieux clichés. J'ai déjà mis un turban. Alors, on le voit pas bien, il est vert sur fond noir, donc c'est un peu pourri. J'ai trouvé des petites musiques sympas, parce que dans le jeu, en fait, il n'y a pas de musique, il y a une musique d'intro, mais c'est tout. Alors voilà, le petit jeu Omeyad, hein, vous pouvez aller voir sur CPC Power. Effectivement, Omeyad est sorti en 89 chez Ubisoft. D'ailleurs, c'est assez curieux que ce jeu n'ait pas de solution, il n'ait pas de carte, rien du tout.
montre tes cheveux. Mais je n'en ai pas, Moumoun. 16 personnes. Ah, voilà, Jacques GGP, bienvenue à toi. Maître Jo GGP, voilà, évidemment, les fidèles parmi les fidèles. 17 personnes, ça y est. Les gens arrivent. Les gens arrivent. Alors, effectivement, si les gens arrivent à la vôtre... Hein, une petite lèvre qui fait plaisir. C'est pas une légende, le mec qui ne stream... Non, c'est pas une légende, le mec qui veut pas streamer à moins de 50 viewers, c'est pas une légende, ça existe vraiment. Ah, une poubelle INAC. Ah oui, 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 il y a des poubelles d'INAC. Ah, on va peut-être attendre. Je vais faire... on voit comme un turban. Oui, c'est un turban. On va attendre, on va déjà jouer au jeu, tranquille. Alors, oui, m'a trop aidé le gamer. Oh, joli. Et pourquoi pas Is No Good? Non, non. On joue à un jeu d'aventure. Ah, ça chauffe. Ça chauffe. Ça commence à venir. Voilà, vous dites, toi, 17. C'est bien. C'est bien. C'est sympa. Mais écoutez, la musique, en tout cas, vient de se finir. On va se mettre dans l'ambiance. Et je vous laisse écouter ce petit truc que j'ai trouvé sur YouTube. Merci, YouTube. Bisous, YouTube. C'est parti. Vous me dites s'ils sont... Eh bien. Je pense qu'on est pas mal. On drop des frames. Hein. On drop du cul. Hein. Santé, je t'accompagne avec une pelle forte brune. Tu as bien du courage. Petite musique. Turban, machin. Voilà. Les clichés, tout qui va bien. Les dromadaires. La descente de police. Jolie. Nickel le son, faut pas que ce soit trop fort. Faut pas que ça nous couvre. On va tout de suite passer évidemment en scène. Voilà, vous, alors, je rappelle évidemment pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce stream, il y a un chat sur le site amstrad.eu, voilà. Le portail francophone évidemment d'Amstrad, hein, site qui existe depuis 2000. Bisous évidemment à Phoenix, notre maître à penser. Qui est le maître des lieux. Donc le chat se trouve juste au-dessus, et encore tout au-dessus, vous avez le chat de Twitch. On met les deux, il n'y a pas de jaloux comme ça. Alors je ne sais pas si sur les replays, on verra quelque chose sur le chat, mais au moins il y aura une trace comme ça, comme une trace de pneu. Oh là là, la dromadaire. Parfait, parfait, c'est super agréable. On se met dans l'ambiance, on se met bien. Alors comment tu peux me tag directement ? Oui, bah ça cause sur Twitch. Que vous dire de plus, les petits amis? Bah, coup du monde va arriver. Bah oui, bah venez, venez, les amis, venez. On est bien, on se tient bien chaud. Ah, les gens me suivent. Merci pour les follow, Maître Joe, tout ça. Tétomu, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, Tétomu. Alors, effectivement, je fais un peu ma pub, mais bon, c'est un peu obligé. J'ai effectivement une chaîne YouTube, JB le Daron, allez-y. Vous pouvez voilà, voir les replays que je mets évidemment 500 ans à mettre en ligne. Ne t'inquiète surtout pas. Voilà, suivez-moi, mettez des pouces bleus, des pouces rouges, j'en ai rien à foutre. Regardez, ça me rapporte à peu près 2 ou 3 centimes en ce moment. Alors c'est parti. Alors, Omeyad, sur CPC Power, nous avons effectivement un manuel. On a de la pub, on a des choses pas mal. Il y a un test, il y a eu un test dans un magazine. Alors, c'est un jeu d'aventure. Donc, je lis un peu, là, je fais mon feignant. Donc, on est dans l'Arabie médiévale. Voilà, alors on est évidemment dans des ruelles avec des personnages troubles. Voilà, bonjour les clichés. Voilà, donc c'est voilà, le monde des mille et une nuits, effectivement, c'est tellement bien dit. Alors, sorti en 89, voilà, édité par Ubisoft. Alors, il y a des gens, mais bon, on ne va pas tous les citer. Abonnez-vous à sa chaîne, ça se regarde très bien. Ah bah écoutez, merci, hein. Merci mon cher Inak. Alors, il y a un manuel. 4 pages. Ah, d'accord, en fait, ce qui a marqué sur CPC Power, c'est ce qu'il y a sur, évidemment, la notice. Alors, je vais vous lire un petit peu la notice vite fait, histoire qu'on se mette vraiment bien dans le bain. Avec cette petite musique d'ambiance, tout à fait sympathique. Alors, l'action, en fait, se situe en l'an 900 environ. Alors, si vous êtes des spécialistes de l'Arabie médiévale de l'an 900, ben voilà. Dans une ville arabe imaginaire au bord du golfe Persique qui s'appelle Kaboudir.
Calidor, Caboudir, voilà, on est raccord. C'est un petit centre d'échange du monde musulman avec un port et des caravanes de dromadaires. Voilà, le dromadaire, évidemment, qui font étape de temps en temps. L'émir Padishah dirige cette petite ville. Il est plébiscité tous les 7 ans par la population pendant une période de pleine lune. Et pendant une période de pleine lune, c'est écrit en italique dans la notice, je pense que ça doit être important. Merci mon cher Inak. Oh, c'est joli. Alors, on incarne Saad et Dar. Hein ? Deux personnes alors. Un voleur qui habite Caboudir depuis peu, il a dû quitter précipitamment une ville voisine pour des raisons que nous vous laissons deviner. Saad fait maintenant partie d'une bande organisée, une guilde de voleurs qui vit de petites rapines, cambriolages et autres activités douteuses. Ok. Alors, mais il sent bien qu'une occasion prochaine pourra changer sa condition de modeste petit voleur. Les intrigues se nouent entre voleurs et assassins et la magie est omniprésente. Même en haut lieu, d'accord ? Ne serait-il pas possible de détourner tout cela à son profit ? L'attrait du pouvoir est si grand. Alors après, on a une liste de personnages. D'accord, donc Saad fait la connaissance de plusieurs personnes depuis son arrivée en ville. Ouais, mais je pense qu'on aura le temps de les voir. Le monde musulman est particulier, c'est la notice qui le dit. Oh, j'ai la caméra qui fait pas bien le point. Comment se fait-il ? C'est corrigé. Des fois, ça grésille le son. Ah, faut me dire si ça grésille le son. Oh, nous sommes 20 personnes ! Waouh ! Bienvenue à tous ! Je fais que lire la notice. Nandex, c'est un fail de chez toi. Ah, oui ! Omu, oui, ça craque. SN craque. Salut JB. Ouais. Sylvain. Alors, voici l'explication de quelques mots usuels au pays du prophète. Ah, d'accord. On a donc quelque chose, quelques mots, en fait. Ouais, un souk marché permanent. Oui, bon. Le narguilé. Ah, le narguilé pomme. Il est pas là, Kalilou. Le narguilé pomme. Ustensile pour fumer, il se compose d'un récipient où l'herbe se consume, ou la pomme, et d'un tuyau pour aspirer la fumée. Le kanjar est un poignard recourbé au bout. Le kalachur est une épée à l'arme courbe, et le khan est une sorte de gare pour les caravanes qui sillonnent l'empire Omeyyade. Ok. Le professeur Darwin a toujours quelque chose à dire. 22 personnes! Bah putain, ça y est, ça arrive. Parfait, ça grésille encore. C'est Paco qui grésille avec ses cordes vocales. Ah, peut-être. Ah, salut Denis. Eh, Omeyyade. Alors moi, j'ai pris la version craquée, mais Omeyyade, Denis, j'ai vu qu'il l'avait dumpé sur ses PC Power, donc salut à toi, Denis. Coco est là. Salut à toi, Coco. Bien sûr, tout le... Ah, voilà, les gens arrivent. Et Lanardinomouk. Il y a un léger bourdonnement sur le micro. Ah. Alors, s'il y a un léger bourdonnement, ça pue. Pourtant, je n'ai rien changé. Un léger bourdonnement. Non, ça peut pas être ça. Bon, si c'est léger... Ah, de temps en temps, mais pas gênant. Bon, bah, je regarderai. Voilà, Nardinomouk. Ah, c'est assez faible. Ah, ça grésille toutes les 4 secondes. C'est peut-être le stream aussi qui merde. Hein. Je sais pas trop. Bon, bref. Alors, donc nous avons... Alors, Omeyyade est également particulier. Alors, le jeu se déroule en temps réel. Même si vous êtes perplexe devant votre clavier, le temps passe et le monde évolue dans la mémoire de l'Amstrad. Les personnages peuvent décider d'agir à tout moment, indépendamment de vous ou bien en conséquence de vos actes. Pas mal. Exemple, les marchands rentrent chez eux à la tombée de la nuit, ce qui est plutôt logique. Deux parties consécutives se déroulent rarement de façon identique. Même si vous jouez de la même manière, ceci vous épargnera une routine qui lasse assez vite. Ouais. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de solution, vous allez me dire. Si ça change tout le temps, j'entends rien du tout, bizarre dans le son. Ouais, bizarre. Alors, l'aventure n'est pas linéaire, contrairement à beaucoup d'autres jeux moins particuliers.
Vous ne devez pas forcément accomplir l'action 1 pour pouvoir passer à l'action 2. Ah, donc c'est un jeu assez complexe, hein. Ubisoft, attention les amis, hein. On est en 89, mais bon, pas mal. Alors, comment on y joue? Ah bah tiens, ça c'est pas mal ça, comment on y joue. Alors, autour de la fenêtre se situent 4 zones. Bah, vous savez quoi? On va lancer le jeu, parce que là, on va pas rester comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Donc, Ramayad, le jeu de Ramayad, qui a pas eu ses signatures, hein, au passage. Alors, Omeyad. Ah, je crois qu'il y a une musique d'intro. Je coupe 2 minutes. Je me demande d'où ça peut venir, c'est... Ramaya. Faudra que je me réécoute le bruit sur la VOD. Bon, musique fort sympathique, hein. Quelle belle op ce JB. Merci Denis. Tu me fais plaisir. Ah putain, oui les filles. Moi je suis sur l'appli Twitch, sur iPad, no problème. Bon bah écoute. Je vérifierai. Alors des bisous évidemment à Dilou. Bisous à Dilou, bisous à Pauline, bisous à Elena, bisous à Nadège. Il y a encore des autres femmes, mais... Oh là là, Inak, je suis désolé, à chaque fois je perds le nom. J'ai pas l'habitude... En fait, au début, c'était toujours Pauline, Dilou... je suis en train de parler sur la musique, on s'en fout, hein. Pauline, Dilou, Hélène, Elena, Nadège... Ah, Dilou, elle est là, même, Dilou. Oh, cette classe. C'est pour ça qu'on est 20 personnes. Ah là là, je suis impardonnable. Ah, musique est sympa. Dame 2h27, le stream va commencer. Eh ouais, c'est toujours comme ça. Pourtant, j'avais dit au début, ah, je vais pas parler et tout. Ah, Vanessa. Oh là là, oui, bien sûr. Bisous à Vanessa. Ah, falloir que je les note, hein. Sinon, on va faire comme Coco, on va faire des bisous. Des bisous à Dilou. Ouais. Bon bah voilà, petite musique sympa. Ah mais la musique continue. Alors vous voyez évidemment il y a MacGyver évidemment en premier plan. Et donc ça je suppose le cambrioleur qui a un collier à la main. On voit évidemment une croix de Lorraine. Ah non c'est un minaret derrière, d'accord. Et donc c'est Ramayad le jeu. Bisous le daron, ah ben voilà. Genre celle, la musique fait typique de France, sympa. Quand même un peu lourde. Genre celle de Sapiens, par exemple. Oh, elle est super celle de Sapiens. Arrête. Bon alors, c'est parti. Omeyad. Donc Péjouo, Y Taillefer et P. Giroux, le professeur Giroux. Attention, on remet la musique. C'est qui Rémi Naré? Oh joli, un arabe voleur payé cliché. Bah ouais forcément. Alors, eh ben c'est bien. Alors Saad voit un Kanjar. Ah d'accord. Votre une nouvelle journée, votre modeste maison. Alors on a fumé je pense, on a peut-être pris le narguilé pomme avec Kalilou vu qu'on a les yeux explosés. On frappe à la porte. Ah déjà, ça commence. Eh ben, on n'a même pas le temps de se reposer, de lire la notice. On frappe à la porte. On peut faire quelque chose, oui. Ouvrir la porte. Ouvrir porte. Ah, Abdullah arrive.
Abdoula, salut frère. Lichy vite y voir des toutes urgences. Bah ok. Ok Abdoula. Je suis très pressé. Allah c'est avec toi, Allah Akbar. Abdoula sort par la fenêtre. Abdoula s'en va. Il rentre par la porte, il sort par la fenêtre. Il est bizarre Abdoula. Bon allez, ok. Ok. Bah qu'est-ce que je vais faire par exemple? Je vais est, je suppose qu'on peut taper juste la lettre. Ok, Sad va vers l'est. Alors, autour de la fenêtre de paysage se situent 4 zones. Les directions possibles, représentées par les flèches. L'heure de la journée représentée par la hauteur du soleil ou de la lune dans un ciel de couleurs variables. Ouais, j'ai vu, c'est pas mal fait. La santé du personnage représentée par la mimique de Sad, ok, donc à droite. L'argent possédé par Sad représenté par une pile de monnaie. Lorsque le joueur paye ou achète quelque chose, une maintenance apparaît. Ok, une maintenance ? Ouais. Le joueur doit augmenter la somme offerte d'une pièce en appuyant sur la barre d'espacement. La fameuse barre d'espacement. Lorsqu'il considère que la somme offerte est suffisante, il appuie sur Enter pour valider. CTRL A arrête le jeu, donc la pause en fait, hein, n'arrête pas le jeu, fait pause le jeu. Et CTRL R réinitialise le jeu lorsque vous êtes bloqué ou à court d'idées. Ok. Alors il y a les vœux des auteurs sur la notice, c'est marqué qu'Allah guide vos pas vers la réussite, Allahu Akbar. Alors pour les mordus de la bécane, Omeyyad c'est 62 endroits différents avec tableau graphique, 31 personnages différents avec portrait, 20 objets avec représentation graphique. En tout, plus de 200 graphismes compactés de façon optimisée, et ça c'est pour les codeurs, 80 kilooctets, 70 kilooctets de programmation dans un langage développé spécialement pour ce jeu, un langage multitâche écrit en assembleur, deux points, le MICA, M-I-C-A. Voilà, alors bon, écoutez, c'est très intéressant. Salut Kelter City. En tout cas, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Oh, ça part d'Atari et tout. Allez, c'est parti. Emmanu, tu descends. Abdoula Daron. Ah, bah voilà, Rude. Allez, c'est parti. Alors, Denis, toi qui l'as dumpé, tu dois connaître ce jeu. C'est marqué sur ses PC Power. C'est Formica, bravo. La zone graphique est assez petite, en fait. Oui, effectivement, c'est assez petit. Mais c'est très joli. C'est très dans l'ambiance. Alors, Sad, donc je suis allé à l'est. Hein. Alors, c'est la chambre et son lit de paille. Sad voit une lampe à huile. Alors, je vais fouiller le lit. Oh putain, ça fait plaisir de pouvoir taper des syntaxes propres, quoi. Sad trouve de l'or. Prendre or. Ok, je sais pas si ça a changé ma pile. Alors, il y a la lampe, hein. Moi, je suis comme ça. Moi, je vais faire prendre la lampe. Et puis, bon, on est dans les mille et une nuits. On va frotter la lampe. Hein. Il disparaît. Ouais, je fais une drôle de gueule. Oh, elle est génie. Voilà. Ok. C'est Aladdin. Les frites. Je suis un génie de l'air. Un génie de l'air. Un génie de l'air. Un pacte m'oblige à t'aider. Le pacte des loups. Mais rien ne m'oblige à te répondre. Ha ha ha. On dirait des qui. Ha ha ha. Je me marre. Tu devras te contenter de ce que je daignerais te dire. Je ne sortirai plus que 3 fois pour t'aider. Ah, ok. Donc, c'est une espèce d'aide quand on est bloqué, je suppose. Pourtant, on dit bien que c'est du génie sans frotter. Oh là là, pas mal. Pas mal. Alors, la chambre et son lit de paille. Bon, bah, écoutez, on va aller à l'ouest. Hein. J'ai que ça à faire, de toute façon. Hein. Sad va vers l'ouest. Bon, il y a quand même moyen de faire une carte, là. Avec les petits, la petite zone graphique. Là.
Les couleurs sont assez chatoyantes. Par contre, je fais déjà la gueule, moi. J'ai plus de turban. Il me manque un bout de turban. Bah, je vais aller à l'ouest. Hein. Ah. Sad, il voit un caillou. Ah, il y a Kalilou qui est là. Kalilou, il arrive. Le quartier de Sad. Je peux pas prendre le caillou? Parce que je sais pas, si on me dit qu'il y a un caillou... prendre caillou. Ouais, ok. Parler, Raled. Raled, hé Didi, hé Didi. C'est possible. C'est à SNCF? C'est possible? Et donc... Ah, il me dit juste à SNCF, c'est possible. Donc là, on peut aller partout. Alors, Raled, je sais pas trop qui c'est. Bah, si on peut rien faire, je vais aller, je sais pas moi. Nord. J'ai l'impression que le soleil se couche quand même. Ah, donc, ok, donc on arrive au niveau du port. Escale de tous les navires marchands de l'Empire d'Omeyade. Je peux pas aller plus loin. Alors au sud-ouest, c'est l'auberge d'Ali. Oh, on a même la mer qui bouge. Pas mal. À SNCF, c'est possible. Prendre caillou, jeter caillou sur Ispizi Kunas. Fais gaffe, te baisse pas, c'est un génite. Oh là là. Putain, ça y va ce soir, hein. J'ai mangé un genre... Oh, mais je vais pas lire ça, c'est dégueulasse. Alors, putain, Denis, il est chaud ce soir, hein. C'est très couleur pleine, ce qui permettrait sans doute de gagner de la place avec le coloriage procéduriel. Bah, c'est pas mal, hein. Oh putain, il fait nuit. Ah oui, mais je suis en train de vous parler. Au sud-ouest, il y a l'auberge d'Ali. Bah, je vais aller à l'ouest parce que je sais pas quoi faire là. Oula, il fait nuit là, non? Encore un caillou? Sur la droite, les cachots de la ville. Un escalier monte vers la caserne. Bah, je vais aller au sud. Je vais faire le tour. Hein. Il est chaud comme à Saint-Denis, pas mal. Sur ce dessin, un phare et une lampe. Sad vers le sud. Sad voit à Raman, la caserne de la ville. Raman, ton nom! Raman, circulez. Quoi? Et je m'appelle Sad. Sad n'a pas fait ses 5 prières. Quoi? Je vais au sud alors. Le grand Khan de Shiraf. À l'ouest désert. Parlez grand Khan. Jean-François Khan? Ah, je me suis trompé. Pas de réponse. Ok. À l'ouest désert. Moi, je vais pas aller dans le désert, je vais me perdre. Je vais aller à l'est. Je vais voir si je fais le tour. Va visiter, tu pourras... Oh, abuser des prisonniers, c'est dégueulasse. Du coup, je retourne... Ok. Donc je retourne au même endroit. Si la mer bouge, c'est que tu as pas mis le coup fatal. Il y a une scène de lapidation. C'est dégueulasse. Je suis pas allé à l'ouest ici. Ah bah c'est peut-être les cachots à l'ouest. Ah non, c'est là. Oh là, ça commence déjà à me paumer ça. Il y a des petites animations sympas, franchement. Je peux pas prendre le dromadaire, c'est dégueulasse. Si je vais au nord. Parler Raman.
Ah maintenant c'est celui qui gueule, qui me dit ouais ton nom et tout. Ton nom. Répondre Sad. Répondre. Ah merde. Une nouvelle journée déjà. Mais j'ai rien fait. Et j'ai même pas mangé. Pardon. Ouais. C'est pas grave. Je vais aller au nord. Ah mais il y a lui là. L'Ardèche glisse. Oh là 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 là. Alors, il y a Raled, il y a un caillou. Et sur la droite, il y a les cachots de la ville. Un escalier monte vers la caserne. Alors, je peux pas lui parler à Raled ? Ah, le commerce va bien. Imhotep. Ok, ça va, Imhotep. Je sais pas, t'as pas quelque chose à me vendre ? Je sais pas, on peut encore peut-être lui parler ? Ah d'accord, Imhotep. Bon bah. Oh putain, c'est dégueulasse. Putain, le chat va être censuré à fond là. Bon, c'est pas grave. Parler Raled, il veut pas. Je fais une drôle de gueule quand même. Hein. Ah, j'ai plus de bière. Ah, le palais. Ah, c'est Raïm. Ouah, wow, Raïm, mais c'est un rasta, eh. Parlez, Raïm. Bonjour. Ok. Putain, faut... Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, demander à Raïm. Qu'est-ce que je lui demande de m'aider? Je peux lui jeter un caillou, quand même. Raïm. Ah, ça n'a pas compris. Bah oui, mais je sais pas quoi dire. Et là, il me regarde. Bon, bah écoute, je vais au sud, hein, je vais pas l'emmerder. Tu veux un... Oh non, ça y est, c'est parti. Tu veux un bonbon rose. Je vais aller à l'est, hein. Je vais aller voir les prisons. Allez. C'est bon la musique pour vous? Putain, moi je suis hypnotisé. Hein. Ah, il y a Hadi! Hadi! Le port escale de tous les navires marchands de l'Empire d'Oméade. Alors, il y a toujours l'auberge ouais, d'Ali et les mouettes Volba. Je fais une drôle de gueule. Hein. Hadi! Hadi dit il y a les. Mouette qui vole bas. Hadi. Les mouettes volent bas. Et j'ai plus de cailloux. Il me manque un caillou. Si je vais à l'ouest, est-ce que je vais dans le... Dans l'espèce de truc, là? Dans le bar? C'est pas ça, c'est un humide. C'est quoi le fucking planète? Ah oui, non, je peux pas aller dans le... Comment on fait pour aller dans la truc? Un escalier monte. Parce que là, pareil, les cachots... Ah, faut peut-être marquer... Aller, bar, peut-être. Ouais, faut peut-être marquer prendre escalier, machin, tout ça. Ouais, j'ai peut-être aller auberge, peut-être. Ah, y'a Mouahimimim! J'ai soif! J'ai pas compris. Ah, bah voilà, bah viens, Mouahimimim! Tavernier est à la disposition des clients. Boire un coup. Une bière. Tout de suite! Bah voilà, tu vois.
Non, mais on se comprend, c'est universel. Ah, voilà, ton thé, c'est un dinar. Allez. Ben oui, vas-y, paye. Paye. Ah! Paye. Un dinar. Oh, putain. Ah, il comprend pas le 1, je pense. Bah, paye. Payer tavernier. Ça va être chaud, hein. Ah, y'a Mustapha. Putain, la gueule. Parlez, Mustapha. C'est toi qui cherches un bateau? Ouais. Mais j'ai une drôle de gueule, moi. Je vais crever. Assieds-toi. Pourquoi veux-tu un bateau? Oh putain, mais j'en sais rien, moi. Je sais pas, pour aller voir... pour aller voir... Bah, j'ai même pas fini ma phrase. Kalilou. Quelle direction? Bah, il habite à Paris, donc il est au nord. J'ai pas compris ce qu'il faut faire. Mon perso, c'est Sinoc. Non, mais je pense qu'il faut peut-être aller bouffer un truc, là. Il va crever, mon gars. Ah putain, ah bah, non, peut-être pas un sauciflard. Par contre, je vais crever. Les mouettes volent bas. Ça va vers le sud. Bah, je pense que je vais appeler le génie, hein, parce que là, je suis... Je sais pas ce qu'il faut faire. Raled, il arrive. Je sais pas, manger, par exemple. Ah, j'ai rien à manger. Bah ouais, je vais crever, quoi. Manger Raled. Merde. Oh putain, manager. Manager Raled. Et on est pas dans Rocky. Manger Raled. Ah bah il peut pas le manger. Je vais peut-être aller retourner au bar et puis bouffer un truc quand même. Nord. Je vais crever sinon. J'ai des sous, autant en profiter. Merde, cuberge. Bah, je vais bouffer une mouette. Da-da-da-da-da. Alors, demandez à manger. Mais non, mais... Adi arrive. Manger, je sais pas, manger. Parler tavernier. Les élections approchent. Et il a pas tort. Pour qui tu votes? Macron? Ah ouais. Bah, je te conseillerais ton petit Jean-Luc, mais bon, après, tu fais ce que tu veux, hein. On va pas parler politique. J'aimerais bien bouffer, par contre. Acculer un mouton? Manger un mouton? Demander un mouton? Manger du mouton? Manger... Mais je peux pas manger... Oh, frotter la lampe, hein. Il va peut-être me dire ce qu'il faut faire. Allez. Oh la gueule. Bon allez, Gigo, à plus. Salut Macdeath. Macdead. Ouais, il se décompose le perso. Hein. Je vais crever. Alors. Ici on ne dort pas. Ah ah ah. Ouais, j'aimerais bien que tu m'aides.
Quoi? Oh putain. Ah, je sens que ça va être chaud. Hein. Mustapha, le tavernier à disposition des clients. Mais je sais pas quoi lui dire, demander à manger. Demandez repas. Oh, putain, c'est pas vrai. Il comprend pas. Demandez nourriture. Putain, c'est chaud. Pouvez-vous répéter, je n'ai rien à manger. Prier, du coup, parce qu'il dit que j'ai pas fait mes prières, on va prier. Ah, il se tourne vers la mec et il prie. Ouais, c'est tout. Putain, c'est pas vrai, je vais crever, moi. Je sais pas, manger... Vous avez pas une idée, vous, les petits amis? Moi, je veux bien, mais là, je suis un peu bloqué, quand même. Hein. Santé du personnage. Lorsque le joueur paye ou achète quelque chose, une maintenance apparaît. Ouais, bah, écoute, je sais pas quoi faire. On va au nord. Hein. C'est vraiment chaud comme jeu, hein. Putain. J'ai peut-être pas été à l'est là. Payer. Bah j'ai fait payer mais... J'avais marqué payer tavernier, tout ça. Ah là je suis pas allé là. La grande place. Une nouvelle journée. Boire de l'eau? Ah, boire fontaine, peut-être. Merde. Ah, il a plus soif. Ok, mais j'ai rien à bouffer, quand même. Ouais, l'est. Hein. Ah, il y a encore un Gugus. Aziz, la maison de Talukdar l'Indien avec son enseigne magique. Un vigile garde l'entrée. Non, bah je vais pas aller là. Acheter. Pas con. La grande place. Allons voir au sud. Ok. Bon, moi je vais encore au sud. Il y a Rachid et Raled. Et là, des nombreux étalages du souk. Parler à Rachid. Ok, les élections approchent. Ça des sans armes. Votre adversaire se prépare. Sad groupe. Sad est assommé. Ah merde, la caméra bouge en plus. Rahman arrive, on fouille Sad. Sad laisse tomber une lampe à huile. Bah oui, c'est ma lampe. Il faut quand même pas piquer ma lampe.
Tu es bien installé. J'ai faim. Je veux la viande. J'ai... Putain. Raman s'endort. Mais non, je veux sortir. Sortir. Mais je sais pas, la fenêtre. Ah putain, je suis nu comme un cul. Oh, j'ai une sale gueule en plus. Raman se réveille. Parlez, Raman. Ah, il s'endort. Mais ça veut dire que ça, les élections approchent. Je le sais que les élections approchent. Sortir prison. Raman parle avec un autre garde. S'enfuir. Putain. S'évader. Il va pas comprendre. Libéré. Délivré. S'enchaîne, ça te pourrait sortir. Ah, d'accord. Briser chaîne. Mais pourquoi tu es condamné à mort. Qu'Allah te pardonne. Massoui, pour la gestion de la santé, rajoute une touche de réalisme, mais honnêtement, ça nuit au plaisir de jeu à mon sens. Ça me fait beaucoup penser à Erebus sur Atari ST. Ouais, bah du coup, je suis mort. Pff. Il fallait tout faire pour ne pas mourir de froid. Un peu comme Sapiens. Ouais, ça fait un peu aussi comme Sapiens. Fallait toujours penser à boire, surtout boire, putain, dans Sapiens. Bon, bah... Pas facile, hein, les petits amis. Ah, c'est un mi. Ok, bon, j'ai un coffre là. On me le dit pas, mais il est insensible à toute agression, même celle de la poussière. On frappe à la porte. Oui, alors il veut me voir. Ah, mais j'ai un couteau, moi, là. Donc, effectivement, salut, évidemment, Massou, Mipour et Jean-Mi qui vient de nous rejoindre. Sympa comme jeu, mais chaud. Ouais, je pense qu'il va falloir un peu d'entraînement. Effectivement, je prends le jeu un peu, là, ce soir, je le découvre en même temps que vous. Je pensais pas que ça allait être aussi dur, et c'est peut-être pour ça que, en fait, il n'y a pas beaucoup d'indications sur CPC Power. Qu'il n'y a pas de commentaires, que le jeu n'est pas connu. Peut-être parce qu'il est très dur. Pourtant, il y a des tests. Hein. Si on lit toujours sur CPC Power, il y a une pub. Une très jolie pub, hein, d'ailleurs. Voilà, ils disent que voilà, il faut changer de condition. Donc, à mon avis, il faut tuer des gens. Et il y a un test sur le Amstrad 100% numéro 16. Il a eu 79%. Ouais. Là, dans le test, en fait, ils parlent, ils disent, voilà, le jour se lève, après avoir passé une nuit relativement calme, je me réveille en voyant le soleil présent. À son rendez-vous quotidien, je remercie Allah de cette journée que j'espère fructueuse. Je fais mes prières. Ah, faut peut-être prier. Si je commence par prier déjà, prier. Voilà, on prie.
Alors, en me tournant vers la mec, après un brin de toilette, je m'apprête à sortir pour réchauffer mes petites mains agiles dans les poches de mes prochains, quand soudain, toc toc toc, tiens, on frappe à la porte, c'est mon ami Abdullah qui m'annonce que le chef en personne veut me voir hélico. Et me voilà errant dans les rues de Kaboudir, donc comme moi, à la recherche du chef. Car aussi bizarre que cela puisse paraître, je ne sais pas où le trouver, un peu comme moi. Sur mon chemin, je ne résiste pas à l'envie de faire un petit crochet en passant voir ma douce Nasma au lapin sans oreille. Déçu par son absence, je me laisse flatter par une créature de rêve qui comptait bien son métier, le plus vieux du monde. Il y a un truc de cul. Et c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il est vrai que l'affichage des images programmées est lent, mais on s'y fait. Ainsi que la saisie de la phrase. Oui, c'est vrai que la saisie de la phrase, c'est un peu lent. Le temps passé en prison est également long. Ah oui, d'accord, à vous de vous débrouiller pour éviter ce séjour. Donc, ils disent pareil que les parties ne se ressemblent pas. Que, évidemment, tout change. Pour la vache. Ah mais... Attends, si tu es le poub d'Amstrad CPC, le magazine, mon cher Masumipour, c'est toi qui as fait le test, c'est toi qui as fait le test alors? Parce que c'est signé Poum. Dis-moi tout, dis-moi tout. Est-ce que c'est toi qui as fait ce truc? Je savais bien que ce nom me disait quelque chose. Faut-il prier 5 fois par jour, peut-être? À chaque changement de truc? Putain, mais on n'est pas rendu. S'il faut en plus gérer le... Déjà, en plus, je commence à faire la gueule. Gérer les prières. Trouver le chef qu'on trouve pas. Putain, ça va être chaud. Non, mais dès qui je regarde Twitch en même temps. C'est pour ça que j'ai vu. Alors, Masumipour, c'est peut-être Poum, hein, d'Amstrad CPC, hein, du fameux magazine Amstrad CPC. Amstrad 100%. Il où le Poum? Bah, apparemment, sur le chat de Twitch, il serait parmi nous. Alors, du coup, bah, je vais quand même retourner. Je vais peut-être pas prendre la lampe, elle me sert à rien. Du coup, l'autre fois, je lui ai demandé, il m'a pas aidé. Je vais aller à l'ouest. Et puis, tant pis, l'autre, il frappe, je m'en fous. Ouais. Peut-être un leurre. Alors, quartier de Sad. Raled arrive. Alors, l'autre, il veut voir le chef. Ouais, mais ça m'emmerde, il m'emmerde. Faut pas que j'aille voir l'autre Gugus là. Lui il me parle pas. Ah merde, mais non, c'est lui. Sad voit Rahman. Bah, je vais aller au nord. Les cachots. Allez, cachots. Ou caserne, peut-être. Ça d'être arrêté, enchaîné. Oh là 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 là. Alors, contrôle R. Oh, il est déjà 11h. De toute façon, on va pas trop insister, hein. Si vraiment ça galère, ça galère. Hein. Oh putain. C'est pas mal comme jeu, mais alors putain, c'est chaud.
chaud la vie, quoi. Omeya de Ubisoft. Salut Riti, des bisous. Merci d'être passé. Merci d'avoir regardé ce stream de l'infini. Une modeste maison, ouais, c'est compliqué. Trop stressant de voir la vitesse à laquelle la vitesse de SAT se dégrade. Dans SRAM 2, on avait juste à se soucier de quelques malheureux gardes qui patrouillaient. Salut à toi, Shadow Wolf Life FR. La santé, désolé. Mais alors, ma soumis pour, tu es Poum ? Dis-moi, confirme-moi. Es-tu Poum ? Tout le monde attend cette réponse avec impatience. Et est-ce toi, du coup, qui a fait le test sur Amstrad 100%? Peut-être pourras-tu m'aider. Raled arrive. Est-ce que je peux voler Raled? Au voleur! Je vais au nord. Vite, je me casse. Je sais pas, je sais même pas qui c'est, moi, Raled. C'est marqué dans la notice. Est-ce que je peux aller navire? Je peux écrire un truc? Aller navire. Ah oui, peut-être. Tu bluffes, Bartoli. Joues-tu sur un réel Amstrad maintenant? Non, toujours pas. Je suis toujours sur un émulateur. Allez, auberge. Mais je suis déjà allé dans l'auberge. Je vais lire le manuel. Ah, mais j'ai marqué aller navire, il met que je suis dans l'auberge. Le tavernier est à la disposition des clients. Ouais. Alors, quand tu dis parler tavernier, il va te parler des élections. Quand tu veux picoler, tu picoles. Je vais avoir une sale gueule. Les élections approchent. Acheter. Alors, acheter repas, peut-être. Oh, putain, il comprend pas. Acheter, manger. Acheter la viande. Acheter viande. Acheter mouton. Je peux manger du mouton quand même. Putain. Acheter boisson. Non, non, là c'est boire un coup. Pour la boisson, tu fais boire un coup. Et le mec il dit ouais tout de suite. Mais même tu vois, je pense que un coup est dans une autre couleur. Je pense que tu dis juste boire et c'est bon. D'ailleurs, il te met un petit thé, hein. Pas de crédit aujourd'hui, tu as de l'argent. Bah oui, bah payer du coup. Mais je crois que j'ai payé là. Il faut travailler pour vivre. Mais j'ai même pas le temps de lui parler. C'est chaud quand même. Hein. Dingue ça, je retrouve les sensations de l'époque. Pas d'internet, donc pas de solution à porter. Fantastique, JB, merci. Tu as presque me tiré une larme. Bah, merci à toi, Soumi pour, ça me fait plaisir. Bah, alors, tu n'es pas Poum, alors. Je vais faire le gros lourd, hein, mais... Mais oui, bah, c'est, mais tu vois, là-dessus, on va se rejoindre. Parce que moi, c'est ce que je cherche. Je veux des jeux où il n'y a pas de solution et où on se crève un peu le cul. C'est peut-être chiant. Ça, c'est chiant à regarder, hein. C'est chiant comme la pluie, hein. Mais... Il n'y a pas de solution pour ce jeu actuellement. Bah, c'est pour ça que je fais ce jeu. Hein. Bah si, si... Quoi? Bon bah si c'est le vrai Poum. Bah je pense que c'est le vrai Poum. Ah c'est Alain. Bon bah voilà. Donc c'est vraiment Alain. Bon bah écoute, bienvenue à toi. Et merci pour ce test alors. Et on continue ce jeu. Parce que moi ça gonfle. Moustapha arrive. Mais Moustapha, on s'en fout. Putain, t'as pas à manger. C'est pas vrai, ça. Acheter, manger. C'est pas vrai, ça. Je n'ai rien à manger.
Narguilé. Prendre un narguilé. Dans une taverne, on peut prendre un narguilé, normalement. Ça y est, je l'ai fait planter, le jeu. Ah non, tu peux arrêter. Bon, bah, non. Il a pris une pièce, de toute façon. Oui, il a pris une pièce. J'ai vu que... ça avait descendu. Alors là, j'ai Hadi. Hadi, il me dit, bah voilà, les mouettes volent bas. Bon, ok. Bah, je vais aller à l'est, hein, je vais continuer à l'est. Faut pas trop que j'aille où il y a l'espèce d'embrouille, là. Ah, tu penses qu'il faut que je fasse boire thé ? La grande place. Si je vais au nord. Quel est ce jeu ? Alors, Shadow Life FR, ce jeu, c'est Omeyade. C'est un jeu édité par Ubisoft en 1989. C'est un jeu qui est disponible donc sur le fabuleux site CPC Power de l'ami Bruno Kukulkan à qui on fait des bisous. Et moi, ce que j'aime dans mes streams, même si c'est chiant, c'est faire des jeux où il n'y a pas de solution. C'est tellement plus rigolo. Faire des jeux où il y a des solutions, je vois pas tellement d'intérêt. Il y en a qui le font, hein, je dis pas, hein, mais moi je vois pas l'intérêt, c'est tout. Alors il y a Kabir, il s'en va, Alib il arrive, et il se dirige vers la porte renfoncée. Oh, c'est quoi par terre là? On peut faire observer? Non. Prendre bourse? Je crois qu'il y a une bourse par terre. Non. Prendre or. J'ai pas regardé au début ce qu'il y avait marqué sur l'écran. Pourtant, il y a quelque chose au sol. Prendre sac. Ok, bon, bah, je vais au nord. Écoute, on va pas se faire chier. Une solution existe sur papier. Je l'ai lu sur un site de vieille revue il y a quelques années. D'après mes souvenirs, elle tient en une vingtaine d'actions à accomplir. Eh ben, écoute, Poum, merci beaucoup pour cette info. C'est quand même sympa. 20 actions. T'as, du coup, je lis pas. Ah putain, j'ai pas lu. Bon, c'est là qu'il faut aller. Merde, j'ai pas lu. J'ai pas lu. Merde. Belle journée. Bon, on va reparler. À quoi ? À Muntakim ? À Mundir ? Moon. Putain, Muntakim, tu pourrais pas trouver un nom plus. Alors, mais encore. Mais oui, non, mais répète-moi ce que t'as dit. Ah, c'était un motif en forme de tapis. Oh, mais j'ai pas écouté ce qu'il a marqué. Puis je suis en train de crever en plus. On peut pas faire les flèches. Répète. Bah oui, forcément. Oh, faire les prières en plus. Me gonfle avec les prières. Je vais faire sud et nord, hein. Tant pis, hein, on va recommencer. Bon, j'ai déjà trouvé, je pense que c'est lui le chef, hein. Allez. Alors. Le bureau de Muntakim. Muntakim, tu as ce que je t'ai demandé. Mais je sais pas ce que tu m'as demandé, j'ai pas lu. Ah oh, putain, allez, on recommence. Mmh.
C'est ça, hein? Ah oui. Voilà, c'est juste ça me travaillait, voilà, le motif là me travaillait, voilà, c'est tout. Hop, on va baisser. Bon, alors. Oh là 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 là, bon Dieu. Alors, il faut pas parler à l'autre, faut aller à l'ouest. On va se barrer. Bon, faut-il faire comme dans SRAM 2, assassiner le gars avec une préparation culinaire? Ah, ça, je ne crois pas. Allez, on va au nord. Putain, ouais, changement en mi là. Bon. Alors, Ali il vient, il s'en va. Alors, je vais au nord. Alors, là, je vais essayer de vraiment... Alors, Alim, il entre dans le bureau. Mais j'y vais, moi aussi. Alim s'en va. Allez, on va écouter ce qu'il dit, Alim. Le bureau de Muntakim. Je voulais te voir. J'ai une mission qui va te permettre de payer tes dettes. Tu connais la maison au balcon vers le sud de la ville? Elle est facile à trouver. Ramène-moi tous les documents que tu y trouveras. Il y a deux gardes. Faut que je bute les gardes, en fait. Belle journée, ah bah belle journée, oui, merci. T'es sympa, toi. Plongée fontaine. Bon, là, il n'y a rien à faire. Le mec, il me dit, il faut aller au sud. Il faut trouver une maison au sud avec un balcon. Il y a deux gardes. Oui, alors, effectivement. Je me demande si je vais pas attendre la nuit. Figurez-vous qu'un jour, c'était la nuit, d'ailleurs. Bon. La grande place. Bah, du coup, je vais peut-être aller à l'ouest, là. J'ai pas un couteau, j'avais cru voir un couteau, moi. C'est peut-être dans ma maison, pardon. Ah, qu'est-ce que c'est? Un punching ball, c'est Rocky. Il y a une dague. Kabir arrive. Saad! Cela faisait longtemps, je me demandais si tu n'avais pas dû fuir. Si tu veux savoir quelque chose, demande toujours. À manger, je veux la viande. Ouais, ramasse les couteaux là, je pense, ouais. Oh putain, tu prends le couteau du coup. Je pense que ramasser, il comprend pas. Hein. D'accord. Ouais.
Il se fatigue et il va crever. Impossible. Tapette ta belle. Tu feras gaffe s'il y a du monde au balcon, joli. Bon bah écoute, ok, je peux pas prendre le couteau. Bah je sais pas, t'as pas à manger. Parler. Intéressant. Manger. Merde, j'ai oublié le. Bah je n'ai rien à manger, bah effectivement. Oh là là. Allez, je vais vers l'est. Personne ne répond. Parlez à Lim. Et d'accord, il répond pas, lui. Il fait la gueule. Tadabadabad. Ah, voilà un humide. Un balcon et pas de balcon là. C'est Gany. Ouais, oh, il a un ananas. Toi, suis-moi. Merde, non, c'est pas là qu'il faut aller. Prendre ananas. Manger ananas avant. Ananas. J'avais trouvé un ananas. Ça de manger lentement. Sud. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Ah, c'est Mouxite. Les lames les plus fines du califat. Rachid arrive. Khaled arrive. Acheter épée. Tout ça. C'est de l'acier indien de grande qualité. Donc du coup, j'ai l'épée ou pas? Ça te prend un kalachour. Oh putain, j'ai une épée. Ça, je fais par Dieudonné l'ananas. L'ananassurance. Ah putain, bah c'est cool, j'ai une épée. Ah, il fait lui. Je peux peut-être aller. Bah alors, du coup. Ah, le voilà le balcon. Monter. Balcon. La porte est barricadée, mais il y a une petite fenêtre sur le côté. Bah, je sais pas, aller. Fenêtre. C'est quoi, c'est les gardes? Moi, bah, je combats, je m'en fous, j'ai une épée. Saad voit Adi et Ali. Un escalier descend. Descendre escalier. Ça te sort son kalachour. Votre adversaire se prépare. Saad n'a pas fait ses prières. Bah prie. Non, peut-être pas. Peut-être, bats-toi déjà. Je suis mort. Bah prie alors. Prie pour le salut de ton âme. Voilà. Et après, je vais au sud. Aïe! Et c'est quoi? C'est pas des papiers, ça? C'est quoi, ça? Tiens, un bouquin! Il y a un bouquin! Prendre collier. Magnifique, ce collier en saphir. Qu'est-ce que c'est? Livre! Prendre livre! J'espère que vous...
me le ferai pas vendre. Passe à travers. Le livre ? Votre adversaire se prépare. Je comprends pas bien. Bourps, nord. Je vais vers le nord. Alors, il y a une fenêtre et une porte condamnée. À l'ouest, bah on va à l'ouest. C'est le Saint-Coran. Ah mais non, je veux pas aller par là. La porte est barricadée, mais il y a une petite fenêtre. Allez, bah... Allez, fenêtre, oui, bah c'est con à dire, mais... Allez, fenêtre. Je peux pas manger l'ananas, hein. Il y a Adi. Allez, porte. Par où? Le nord. Ah, qu'est-ce que c'est? Un coffret à bijoux, un bureau assez bien décoré. Fouillez bureau. Allez, je suis sûr qu'il y a des papiers là. Ça te va, un coffret à bijoux, votre adversaire se prépare. Prendre coffret. C'est le bordel, hein. Ça te prend un coffret à bijoux. Ouvrir bureau. Adi est mort, j'ai niqué. Comment on peut dire? Bah fouiller bureau. Ça te se tient prêt à lutter. Mais ça y est, manger ananas. Je n'ai rien à manger. Bisous, Rude. Merci d'être passé. Ça, c'était après à lutter. Descendre escalier. Putain, non. Fouiller bureau. Putain, fouiller, ça marche. Ouvrir tiroir. Pas possible sans clé. Ah, putain, la clé. Fouiller coffre. Je crois qu'il comprend pas fouiller. Tableau. Fouiller tableau. Non. Putain. Soulever tapis. Y a rien dessous. Ouvrir coffre. Je vois des taches de sang sur cette robe. Fouiller robe. Prendre robe. Un éclair sort de la robe et frappe Sad. Ah merde! Je ne peux pas prendre ça. Putain, sud. Chercher bureau. Clé sous tapis. Pareil dodo. Salut Deki. À l'ouest une fenêtre. Ah merde, oui, c'était pas bête ça. Et j'ai encore Ali à niquer, mais... Bon, je retourne au nord. Soulève tapis, y a rien sous le tapis. C'est quoi, tu m'as dit chercher bureau. Non, bureau, il comprend pas. Pourtant, c'est marqué bureau. Chercher. Non, clé sous tapis, c'est pas possible. Non, non, non. Soulever tapis, je l'ai fait. Donc, sud. Descendre escalier. Mais je pense que c'est sud. Enfin, on va faire descendre.
Escalier. Je pense que c'est la pièce où on est allé. Ah non! Il y a un gros truc là. Putain, il y a Ali. Il me gonfle, Ali. Argue. Ouvrir coffre. Impossible sans clé. Putain, il faut des clés de partout. Ali est mort! Et je peux pas fouiller Ali? Oh, là, de la nourriture dans... Quoi, la pièce? Prendre nourriture! La porte... Oh la vache, attends! Attends! Matcha, nous... Riture. Pas trop mauvais. Mange! Mangez! Des restes. Mais c'est bien, mange! Mangez! La viande! Reste! Mais oui! Mais je sais pas manger nourriture! Ça me paraît logique! Ouvre-tiroir, je l'ai fait aussi, poum! Ça a pas marché! Bah, du coup, ouvrir porte! Mais t'as voir qui va me dire que ça va pas le faire! Elle est condamnée! Fouiller plante. Ça te voit un kalachour encore? Bah, prendre épée, alors, du coup, parce que kalachour, je vais pas l'écrire. Voilà. Bon, ça me va. Par contre, prendre nourriture, je l'ai pas prise. Des restes, ouais, bah, je sais pas. Bah oui, j'ai fait manger tout court. Il marque des restes. Alors que mon gars, il fait une sale gueule, quoi. Pensez à la même chose, essaye de fouiller Ali post-mortem, même si c'est sacrilège. C'est vrai, fouiller Ali. Non. Fouiller corps. Non, il comprend pas. Il y a un miroir, là. Regardez, miroir. Tableau. Non. C'est dingue. Putain, s'il y a un truc à faire. Bah, monter escalier, du coup. Cuisiner, reste avec gazinière Ikea. Regardez miroir. Ouest. Un escalier descend, Sad se tient prêt à lutter. À l'ouest, une fenêtre et une porte condamnée. Sad laisse tomber un kalachour. Pourquoi? Parce que je suis épuisé, c'est ça? Soulever dalle du plancher. Ah, quand même. Soulever tapis, il n'y a rien en dessous. T'as ouest. La porte est barricadée, mais il y a une petite fenêtre sur le côté. T'as putain, je suis sûr qu'on n'est pas loin du truc, hein. Peut-être aller au sud. Alors, fouiller coussin. Je passe à travers. Tout est toujours flou. Je passe à travers tout.
Terminer jeu avec tapis. Voler avec tapis. Vieille touche, j'ai joué à la secte noire il y a des années, et crois-moi, si on n'allait pas loin, on passait pas le quart du jeu. Puis, ça reste pas vrai. Pourquoi je passe à travers? Je suis mort? Oh, ça m'agace. Regardez, pouf. J'ai fait fouiller, pouf. Je passe à travers. Un grand hall. Ouvrir porte. Elle est ouverte. Allez, porte. Par où? Paf. Nord, du coup. C'est la fameuse robe. Un bureau assez bien décoré. Pousser bureau? Le bureau. Mais alors du coup, ouvrir tiroir, hein, parce que pour ceux qui... Non, pas possible sans clé. Regardez décoration. Je pense que c'est juste regarder, en fait. Ouvre éditeur pour examiner les arts syntaxiques. Oh, oh la triche, poum! Ce n'est pas mon genre! Et tu apprendras à me connaître comme ça. Je n'aime pas. Je n'aime pas comme ça fouiller. Non, 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 je le ferai peut-être quand vraiment je galérerai. Mais là, c'est que le premier stream. Non, non, je le ferai. Je le ferai pas tout de suite. En tout cas, on ne meurt pas de faim. On est complètement cuit. Mais on ne meurt pas de faim. Et puis, il est déjà... Il est mis du moins 20, les amis. Moi, il faut que j'arrête, hein, les amis. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas... bon, on est pas mal, hein. On a un peu avancé. On est pas mal. Je vais m'arrêter là, parce qu'il faut quand même que j'aille faire dodo, hein. Allez, un peu de musique pour se quitter tranquille. Allez. Thank you.
Salut Poum, merci. Alain. Ouais, allez. Bon, les petits amis, on va se quitter sur cette petite musique arabisante. Je vous remercie en tout cas d'avoir tenu jusqu'au bout. Nous sommes plus que 11, nous sommes montés jusqu'à 22. C'était magnifique, parfait. Évidemment, merci aux anonymes, à Golem 13. Je m'en vais très rapidement. Merci à Inak, à MacGyver, Moumoun, Obuk, Pokoraban, c'est moi-même, Xtrabay. Évidemment, Poum, qui est venu nous voir, le fameux Poum d'Amstrad CPC, Maître Joe GGP, bien sûr aussi, Denis qui est encore là. Bah écoutez, voilà, merci encore à vous d'être resté jusqu'au bout. Je vais baisser la musique peut-être. C'est toi qui as composé la musique du jeu Daron. Non, c'est pas moi qui ai composé la musique, j'ai juste chopé une petite musique sur YouTube qui collait parfaitement. Voilà, écoutez, jeu en tout cas très sympa, mais peut-être à creuser un peu. J'essaierai quand même la prochaine fois de vous faire, de vous montrer la solution de Adventure 2, même si j'ai regardé le listing pour voir, mais je trouve pas encore la solution. Par contre, celui-là, donc je rappelle le jeu, c'est Omeyad, sorti, édité par Ubisoft en 89. Oui, alors ce que me dit Xtravet, c'est pas con, on est peut-être un fantôme, c'est pour ça qu'on passe à travers tout en fait. Ouais, je suis un fantôme ou j'ai un sort quand tu passes au travers, donc à fouiller. En tout cas, merci à tous, je vais m'arrêter là, hein. Il n'y aura pas d'outro tout ça, le stream a duré bien assez longtemps. Des bisous à tous, on se voit très rapidement j'espère, pour un prochain stream. Merci à vous et puis voilà... A très vite, des bisous.